Drinking on the low, mobbing on the low, bucking on the low, smoking on the low. Bonjour à tous, on vient de se réveiller, notre premier jour en Malaisie, et je vais vous montrer notre chambre d'hôtel et cette incroyable vue. Bitch, I'm outside, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like Bruce Lee. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Just been drinking on the low, mobbing on the low, fucking on the low, smoking on the low. On a pris un breakfast à l'hôtel. Et ça nous revient à 53 ringgit, donc 17 dollars australiens et donc à peu près 10 euros, quelque chose comme ça. Et c'est un déjeuner à buffet volonté, donc ça c'est trop bien. Et il y a du sucre salé pour tout le monde. On vient de finir de déjeuner, on se met en direction d'un shopping. Parce que du coup, on doit acheter quelques petites babioles et tout, parce qu'on reste quand même un mois à Kuala Lumpur. J'ai failli tomber, pardon. Ce qui est dingue ici à Kuala Lumpur, c'est que vous avez des gros bâtiments. Ça, c'est notre hôtel. Et en fait, ce qui est fou, c'est que genre vous avez plein de verdure. Et à côté de ça, vous avez des gros bâtiments comme ça. Enfin bref, je kiffe, c'est vraiment un coup de cœur. Smoking on the low, I still been plotting on the low, scheming on the low, the furthest thing. Voilà, là on est dans le taxi et donc en fait, petit conseil, téléchargez l'application Grab quand vous êtes en Malaisie ou dans des pays d'Asie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez directement payer par carte ou par cash. Vous avez directement le prix indiqué, donc vous ne devez pas commencer à négocier, etc. Et c'est vraiment hyper facile, vous payez et puis en deux minutes, le taxi est là. Et puis pour Kuala Lumpur, en fait, c'est beaucoup plus simple de rouler en voiture, en taxi, etc. Parce que c'est des grosses avenues, c'est l'autoroute, etc. Donc voilà, petit tip. On a payé 12 ringgit. Donc 12 ringgit, ça fait 4 dollars australiens. Du coup, à peu près peut-être 2-3 euros. Donc c'est vraiment pas cher, c'est hyper accessible. Alors là, on est arrivé au Petaling Street Market. Mais du coup, on se demande si c'est pas le Chinatown de Kuala Lumpur. Ben, on va voir ça. Very nice. Yeah. It's very beautiful, man. Ah, moi je mets ça avec une paire de baskets. Et moi, check moi. En fait, faut savoir qu'on est dans un magasin ici, c'est que des pièces uniques. On va se faire un kiff. Je vais aller trop le pantalon. Des vrais Congolais. Ça fait pas pire. Ouais. Mais oui, mais tu vois, regarde, ça va ensemble. Et voilà, on a repris un grab pour 11 ringgit, tout va bien. Pour 11 ringgit, voilà, mon mari il est en folie là devant tous ces magasins. Et on ne voit pas. Hein. Hey. C'est vraiment immense, il y a Off-White, Louis Vuitton, Rolex, enfin il y a tout. Et donc, du coup là, on arrive dans un très très grand centre commercial à Kuala Lumpur. On a payé le grab 11 ringgit, ça y est, il est en folie. Voilà, ça, on est au plus grand centre commercial de Kuala Lumpur. Du coup, on se fait encore beaucoup plaisir. Après des multitudes d'achats, on prend le dernier grab pour rentrer à l'hôtel. On a fait vraiment plein d'achats, on s'est fait plaisir. Et ça nous a fait du bien. Ça nous a vraiment fait du bien. Et donc, je vais vous montrer une partie de Kuala Lumpur que j'avais jamais vue, même dans les vidéos YouTube. J'appelle ça un peu le Times Square. Et donc, je vous montre ça en image. Après cette journée, on va se poser à la piscine de l'hôtel. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. C'est, je crois, la plus belle piscine que j'ai vue pour le moment dans ma vie. Vraiment.
let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. Et le soir, nous sommes partis voir les tours Petronas, qui sont les deux plus grandes tours jumelles au monde. C'était vraiment incroyable, la nuit avec les lumières, c'était très très impressionnant. Et sur ce, on se dit à bientôt.